Et là, j'arrive à la caisse pour payer. Et puis le mec, il avait une voix de ouf. On aurait dit qu'il avait avalé un kilo de patates chaudes, tu vois, genre. Ouais. Voilà, j'avais 143 francs 50, je te jure. Okay. En tout cas, je t'ai préparé un menu qui défonce, t'inquiète. Et toi, ça a été ta journée? Oui, moi, ça a été, ça va, comme d'hab, quoi. Cool. Et t'as une idée de quand t'arrives? Enfin, je sors le prosecco du congèle ou. Mais écoute, j'arrive à la maison dans une heure, mon amour, si j'arrive à prendre celui des 42 DAC. Tiramisu pour le dessert. Mais non. Un tiramisu? Eh ouais. Oh, mais dis donc. Tu t'es lâché, hein? Ah bah oui, mais c'est Noël! Merde, bon, faut que j'y retourne. Hein? À toutes! Allô? Salut! Eh, hey, bonne top, hein? Ok, c'est bon. Faites-toi la place au échoc! Okay, je suis devant, là, on y va! Allez, on y va! Ok, de la place pour moi! Voilà, bonsoir, monsieur, bienvenue! Ok, tout le monde, de calme, concentration, transmission. Nicolas, 34 ans, déguisé en Père Noël pour ses neveux, s'est trompé de conduite cheminée. Suspicion de brûlure au deuxième degré, au visage et d'un syndrome d'inhalation. Très bien, bon, on putsch dessus là, histoire qu'on puisse voir l'étendue des brûlures et des dégâts. Il me faut, me biper l'ORL, il faut biper les plasticiens, et on a un tube avant que ça colle. C'est compris? Compris. Allez, feu, moteur. Ne faites pas, monsieur, c'est une opération du Bénin. Tout va bien se passer. Encore une pour des suites. Eh ben ouais, évidemment. Hé, hey, Staff, t'as vu mon stéthoscope? Mais tu fais quoi, là? Mais c'est la fin de mon service, hein, j'y vais, hein. Attends, tu peux t'occuper juste de ces deux, s'il te plaît. Mais non, mais elle est où, Carole? C'est elle, doit prendre mon poste, là. Please, madame, please, avec un dîme rachamlo, vous avez tout pour la pièce. Félicitations, c'est très beau ce qui vous arrive, hein. Mais on n'a pas de salle d'accouchement ici, c'est pas... Mais gars, t'as bien que le coulis canon, mais on n'a rien d'abriété. C'est calme, d'accord? C'est tout, mais... Ok, venez avec moi. C'est pas possible ou quoi? Vous m'en avez dit. Vous m'en avez dit. Oui. Ça fait rien, monsieur. Ça sert à rien de crier, là, on y va. Dis-y. On est là, mais c'est mouchkil. On est là. Monsieur, vous venez à toucher maintenant. Mais monsieur, on fait notre mieux ici, d'accord? Allez, dis-y, ma qu'il mouchkil. Non, mais je fais le radic, c'est le radic, c'est le radic. Mais je fais On va aller là-bas, monsieur, on y va. Voilà. On y va, respirez, on y va. Docteur Nguyen, vous êtes prié de déplacer votre Porsche. Le docteur Chumpy n'arrive pas à passer avec sa Tesla. Merci. On n'a pas vraiment le droit de vous installer ici, monsieur, hein, mais bon. Vous avez l'habitude de vivre dans la clandestinité, j'imagine, hein? Mettez-vous à l'aise, je vais aller voir mon chef et on vous envoie quelqu'un dès que possible. Bienvenue aux urgences. Bon, on s'est arrêté pour le train des 42. Super. Excusez-moi. Ouais, c'est pourquoi. Je vous préviens tout de suite, hein, il y a 4 heures d'attente minimum. Seulement, je crains qu'il s'agisse d'une réelle urgence. Je vous reconnais. Vous n'êtes pas conseiller fédéral, ou? Un jour peut-être. Enfin, pour l'instant, je ne suis que conseiller d'État. Bon, de toute façon, peu importe, hein, tout le monde est logé à la même enseigne ici. Puis-je m'entretenir avec un médecin? Alors ça, c'est moi qui décide. Parce que vous voyez les gens derrière vous? Ils ont tous envie de s'entretenir avec un médecin. Seulement ce soir, il n'y en a qu'un de médecin, à cause des fêtes. Alors, si vous avez envie de rester réveillonné avec nous, il va falloir m'expliquer votre petit bobo, là. J'étais en train de décorer mon sapin et j'ai glissé. J'ai glissé et je me suis assis sur une étoile de Noël. Et donc, l'étoile est toujours à l'intérieur de votre corps? Oui. Très bien. On va appeler la chef de clinique de chirurgie viscérale qui va s'occuper de vous. Chirurgie viscérale, vous allez m'ouvrir? Seulement Catherine n'est pas là, hein. Elle a pris sa soirée. Et moi aussi, d'ailleurs. Bon. Très bien, ben alors, voilà. C'est moi qui vais m'occuper de vous. Voilà. À tout de suite. Je peux te parler deux minutes, parce qu'il y a un couple de migrants qui... Non, mais là, c'est pas le moment. Tu vois pas qu'il y a beaucoup, là? Et puis, j'avais pas tellement prévu de défourrer une dinde ce soir. Merci du cadeau. Ah, Steph, on m'a dit de te dire que Carole avait la gastro. Ils essaient de la remplacer, mais tous les téléphones sont sur le combox. Bah, ouais, ils sont pas cons, les gens. Mais non, mais c'est pas vrai. Ouais, ça, c'est le soutien entre collègues, tu vois. Mais qu'est-ce que je dis à mon mec, moi? Bah, la même chose que je dis au mien tous les soirs. J'arrive bientôt, maman. Oh, c'est pas vrai. Bientôt.
mais il est dégueulasse ce box là, c'est pas possible. Comment vous voulez qu'on travaille dans des conditions pareilles là? Hein Fabiola? C'est Andrea. Qu'est-ce qu'on a? Fracture de la cheville gauche et lithias biliaire aigu. Enfin, c'est ce que je suspecte, je suis pas médecin moi. Ouais, mais il s'est pété la gueule puis il a la mal au bide quoi. Alors, monsieur Jacquet, bonjour. Hello. Mais qu'est-ce qui vous arrive? J'ai glissé sur une croisille en cheddar et puis je me suis perforé l'œsophage. L'œsophage qui débordait vu que j'ai un peu abusé au repas canadien de Noël de la Riponne. Un kilo de foie gras périmé, 12 coquilles d'huîtres, 5 extas et puis une chier de pinche licoreuse. Bon, bah on va continuer sur le même menu. 1 mg de kétamine par kilo et puis on viendra réduire la fracture. La kétamine? Trop beau. Si jamais je pèse 250 000 kilos, je te jure que c'est vrai. Bonne continuation. C'est la question à ma mère, il y a son numéro de Natel qui est tatoué sous mon pied gauche. Elle habite à Fécone. Je vais l'appeler tout de suite. Ouais. Oh, excusez-moi. Mon père vient de faire un malaise vagal en voiture. Nous roulions en direction de Grand Montana et paf. C'est pas vrai du tout, j'ai pas fait de malaise. Si, si, François, voyons. Oh. En plus, il perd un peu la peau. Ils vont bien s'occuper de toi ici. Nous, on se revoit le 6 janvier au plus tard. Hein. Courage, beau papa. Mais ça va, je suis pas sourd, connasse. Voilà sa carte d'assurance. Merci beaucoup, docteur. Non mais c'est pas possible, je rêve là. Vous les mettez au monde, vous les couvez, vous payez leurs études et voilà comment ils vous remercient. Faites des gosses, je te jure. Ouais, bah, c'est pas sûr que je vais pouvoir essayer. Hein. Oui, allô? Oui, mon amour, ouais, hey, c'est moi. Non, écoute. C'est pas moi, c'est mon répondeur. Laisse un message et je peux pas l'appeler. Mais quel con. Et puis moi. Oh! Je peux le curry ou quoi? Voilà, la sonde est en place. Maintenant, Romuald va la gonfler. Et ça va me permettre d'atteindre l'étoile. À part ça, vous n'êtes pas plus nombreux sur ce genre d'intervention. Bah, on aimerait bien, mais avec les réductions d'effectifs que vous avez décidées le printemps dernier... Et je l'ai. Merde. Quoi? On va faire appel à Dieu. Comment ça, appel à Dieu? T'as vu l'heure, il va mailler. Mais on s'en fout, on n'a pas le choix. Faut qu'il vienne tout de suite. C'est que lui qui peut gérer ça. En plus, surtout pour un patient comme lui. Bonsoir, professeur. Bordel, vous me tirez d'un repas de fête absolument passionnant avec Bertrand Piccard, Tim Bachinski et Vincent Cuchol. J'espère vraiment que c'est pas pour rien, hein. On a une étoile de Noël explosée dans Jean-Yves Jacquard. Mais non. Encore? Ah bah non. L'année passée, c'est une bûche. Ah oui, c'est vrai, oui. Vous avez entendu? Bon, vous me préparez le bloc et un grand verre de cognac, hein? Le grand. On y va? Qu'est-ce qui se passe? Ok. Bougez pas, hein? Bougez. Ok, je vais chercher l'aide, j'arrive. Oh putain. Un organe, c'est tellement bon, cette kétamine. Oh, je vois des couleurs qui n'existent pas. S'il vous plaît. Oh, attends, je viens direct sur Insta. Il paraît que c'est Broly. Oh, mais le dégueulasse, cette plaie, mais faites un effort, mais comment voulez-vous que je travaille là-dedans, Damien? Enfin, c'est David. Et alors, il y a un problème, Augustin? Mais non, Jean-Yves, t'es super, bouge pas. On y est presque, bouge pas. Ah, je la vois. Hé, docteur, c'est vrai que tu gagnes genre 1 000 000 de francs par mois? Parce que si jamais j'ai un projet de crowdfunding! Ah, Steph, tu peux venir à l'accueil, s'il te plaît? Non, il y a un mec bourré, il faut faire son admission, il est en train d'insulter tout le monde, là. Ok. Mais alors tu vas tout de suite au stock avec de l'eau chaude. Oh, j'ai pas que ça à faire, moi. J'ai dit tout de suite! Ok, je... Je vais au stock, alors. Mathieu? Hé, ta soeur. Mais qu'est-ce que tu fous, là? Je t'ai attendu un petit moment. Alors, j'ai ouvert la bouteille de Sauvignon. Je me suis dit que ça te ferait arriver, mais t'es pas arrivé. Alors, j'ai ouvert la bouteille de rouge. Après, j'ai ouvert la bouteille de gin. Non, mais t'es complètement taré, Mathieu. Non, mais c'est cool, comme ça, je te vois.
Je te vois doux, même. Eh, oh, je t'ai ramené du tiramisu. Par contre, je crois que c'est un peu vomitant. Joyeux Noël. Viens avec moi, là. Et voilà. Premier accouchement depuis 1998. On peut dire que j'ai pas tellement perdu la main. Hein. Oh, attention. Il a faim, il faut lui donner à manger. Attendez, je vais vous aider. Oh là, ils sont bien gorgés de lait. Mais c'est quoi ce bordel? Je peux goûter? Hé, hey, Gaspard, viens voir! Il y a une meuf qui a accouché dans le stock. Bon. Vous le mettez dans une chambre privée jusqu'à demain matin pour qu'il se remette de ses émotions, compris? Compris. Bon. Ah, se faire d'arranger un 24 au soir pour une intervention à quoi? Pas 3500 balles, quoi, hein? Enfin, allez, joyeux Noël. Joyeux Noël? C'est une bougie parfumée à l'encens, pour les toilettes. Yes. Moi j'ai trouvé ça, c'est pour décorer la poussette. C'est une mire. Il y en a une, mon amour. Hello tout le monde! Donc, quelqu'un a du feu, juste? Non mais oh, quel... non mais oh, attendez! Tiramisu. Il y a pas un coin clope ici! Volontiers! Oh.